Allez hop, c'est parti. Ah putain, je sais même plus où j'en étais moi avec mon perso là. Je devais faire quoi? La chute du Padawan. Alors attends, parce que là, du coup je sais même plus où j'en suis. Alors hop, tout récupérer. J'ai trois messages. Ouais, j'allais voir ce que c'est. Attends. Hop. Ok. J'ai qui moi en... Eh bah... On va laisser Ved pour le moment, je crois. Mana sur... Allez, sur Aluta. Ah oui, c'est Jessa. Du coup, on part sur Uta pour récupérer Jessa. Hé hé. Nol, Uta. Alors, hop. Et voilà. Pa-pa-pa-la-pop. Trouver la cachette de Nomenkar. Putain, c'est quoi déjà mes... Je sais même plus ce que j'avais comme attaque. Alors, j'avais quoi moi? Ça, c'était quoi? Un saut vers la cible, un choc. Ok. Étranglement de force. Ouais, bah je verrai. J'ai mal Vin avec moi. Malvin ou on garde Vett? Oh, de toute façon, on va laisser Malvin vu que je vais avoir Jessa donc. On passe à regarder. C'est bloqué là. Ah oui, d'accord. C'est où? C'est là. Ah bah oui, vu que j'ai pas été sur Naruta depuis le début, c'est tout à fait normal. Ah bah je trouverai une boîte à lait dans le coin. Sérieux, les mecs ils m'attaquent? Ils sont de niveau 4. Putain, j'ai 20 levels de plus qu'eux.
Les autres, ils m'attaquent. Normal. C'est tout à fait normal. Attends, si je fais... On va se rappeler un peu des trucs. Ah... On est bon... Ok... Bon, de toute façon, on verra après, hein. La robe, moi. Faut que je libère cette putain de... robe, quoi. Pour un sorcier, je veux bien, mais pas pour un guerrier. Je devine à votre présence que mes amis Uldin et Zilix ont échoué. Quel dommage. C'était qui, j'aurais dû savoir que Barras n'est pas un homme de confiance. Je suis un homme de parole. Je suis ici, seul, comme convenu. Votre maître a prouvé qu'il est un lâche en vous envoyant à sa place. Vous avez l'air contrarié, Maître Carr. En colère, même. Votre croisade m'a affecté, Sith. Je ne suis pas aveugle. Mais j'ai déjà franchi la ligne qui sépare l'obscurité de la lumière. J'ai marché avec votre maître et les Sith. Mes liens avec la lumière leur ont résisté. Et ils vous résisteront. C'était Barras. C'est différent avec moi. Alors vous pouvez réussir là où votre maître a échoué. Je n'ai pas le choix, je dois mettre un terme à votre présence. Et tout retrouvera son calme. Quand je me serai débarrassé de vous, Jessa apportera la preuve nécessaire pour ouvrir les yeux du Conseil Jedi et démasquer le réseau d'espions de Barras. Espion. De quel espion tu me parles? Il n'y en a pas, je connais pas moi des espions. Vous parlez du réseau que vous avez inventé dans votre tête. Je ne perdrai pas une seconde de plus à cause de vos mensonges. On doit en finir maintenant. Mais non, il n'y a pas d'espion, je sais pas de quoi tu me parles. Pour l'Empire! Petit étranglement. Non mais je suis trop fort, moi. Oh, la force est très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Ah, libérez oui. Libérez votre colère. C'est le seul moyen de me vaincre. Non! Ce n'est pas juste! Succombez! Vous devez vous incliner devant moi! Je ne m'incline devant personne! où t'as appris à étrangler des mecs à moi là? C'est tout? Ma blessure est mortelle, Sith. Au moins, je meurs en sachant que vous ne trouverez jamais Jessa. Oh, ça y est, il commence déjà à être passé du côté obscur. Excellence, Dark Barras nous a envoyé au cas où vous auriez besoin d'aide. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il a dit que Nomenkar devait rester en vie. Vous voulez qu'on le stabilise? Non! Barras soit maudit! Je veux mourir!
Alors Jesus sera en sécurité. Oh, torture un petit peu pour avoir les infos. J'en ai pas fini, car vous souffrirez comme personne n'a jamais souffert. Que la force me protège. On le sauvera, Excellence. Puis on vous laissera. On se retirera dans une pièce adjacente. Faites vite, messieurs. Le Jedi est en train de mourir. Torturez-moi autant que vous voudrez, Sith. La douleur intensifie ma haine, ma rage. Vous, je vais vous tuer. Vous et votre maître ridicule. Vous êtes mort. Vous m'entendez? Mort. Eh ben ça y est. Il vient de passer du côté obscur. Quel plaisir de vous entendre cracher un tel venin, Jedi. Je vous en prie, continuez. Votre suffisance m'insulte. Vous ne valez pas mieux que moi. Libérez-moi, que je vous étripe. Ah, Jessa. Excellence, le Padawan est arrivé. Elle a l'air plutôt perturbée. Écartez-vous et laissez-moi m'occuper de ça. Sith ! Vos hommes dehors m'ont laissé passer. J'imagine que je suis attendu. Arrêtez vos attaques sadiques sur mon maître. Tout de suite ! Jessa, non ! Je t'ai dit de rester tranquille. Comment oses-tu me défier ? Maintenant, vous allez assister à la destruction de tous vos espoirs et de tous vos projets. Mon travail est gâché. Mon sacrifice n'a servi à rien. Petit imbécile. Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris. Que lui avez-vous fait, Sith ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début. J'ai rien fait, moi. C'est impossible. Personne ne peut dissimuler une telle noirceur. D'une façon ou d'une autre, vous avez fait de lui un fou furieux. Je n'ai fait que mettre au jour ce qui se cachait à l'intérieur. C'est comme ça que vous considérez ce que vous avez fait ? Vous avez tué Maître Yonlak. Et mes parents. Et vous avez fait de mon maître un monstre ! J'ai senti oui, et alors ? Que vous lui avez imposé. J'ai fait mon boulot. Et ça doit cesser maintenant. Je suis pas un Jedi. Je vais pas jouer du banjo en chantant Kumbaya tous les soirs en mangeant des marshmallows. Moi, je suis un Sith, hein. Réfléchis deux secondes, petite. Arrête-moi. Attaque-moi. Et tue-moi. Non, C'est encore un piège. Ne me tentez pas, Sith. Je ne vous laisserai pas jouer avec moi. Prouve que tu as raison. Détruis-moi. C'est la seule solution. Sinon, ton maître et toi, vous allez mourir ici. Je vous ai prévenu. Attendez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Jessa, non ! Préparez-vous à mourir, Sith ! Trop tard ! Allez, hop ! Et voilà. C'est tellement frustrant. Je ne peux pas vous vaincre. C'était des mensonges. Tout. Il m'a dit que le côté lumineux était plus fort. Que c'est pour ça que je peux voir derrière le masque de ceux qui sont dans l'obscurité. Mais c'est pas vrai. Je peux pas lutter contre vous. Le côté obscur est de toute évidence plus fort. Tu n'as pas terminé ta formation, Jessa. Quand tu auras pleinement communié avec le côté lumineux de la Force, aucun Sith ne pourra te résister. Si, moi. Plus personne ne s'intéresse à vos mensonges. Toute ma vie,
J'ai dû supporter la tromperie et l'illusion. Je croyais que les Jedi étaient différents. Vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré Maître Carr tel qu'il est. C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne. La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface. C'est ce que je veux. Dommage que tu doives mourir. Pourquoi on devrait la tuer ? Tu seras mon apprenti, et je t'apprendrai à vivre du côté obscur. Je Allez. Suis honorée, Excellence. Enfin, j'ai un objectif. Et voilà, ça y est, j'ai dit ça. J'ai ma waifu à moi. Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Carr ? Tue-le. Ta première mission, maintenant que tu es sous mes ordres, c'est de tuer ton ancien maître. Y a pas à dire, y a pas à chercher, y a pas à comprendre. Je ne sais pas... Si, tue-le. Discute pas mes ordres. Je ne veux pas que tu le tues. Je te l'ordonne. Oui, Excellence. Jessa, le site est en train de faire de toi une meurtrière. Je vais l'adresser c'est un petit l'intérêt peu. De tous. Un principe que les Jedi évoquent souvent pour justifier leurs actes, non ? C'est fait, Excellence. Nomen Carr n'est plus. Bien. Laisse la culpabilité, l'euphorie et l'amertume te nourrir. Mes émotions sont vives, mais je ne me suis jamais sentie plus vivante. J'ai goûté au sang. J'ai hâte de renouveler l'expérience avec votre prochain ordre. T'inquiète, ma petite. Vous avez une dette envers moi. Voilà, Jessa. Putain, wesh, t'as déjà changé de... T'étais rapide pour te changer. Ouais, ça lui va bien en plus, la tenue. Mais arrête de bouger. Bon, bah tu veux pas. Et voilà, j'ai Jessa, ça y est, enfin, j'ai ma waifu à moi. Allez, hop, on se carapate de là. T'es sérieux, mec ? Level 5. Un level 5 m'attaque. Ah oui, mais c'est vrai que... Je suis tombé au level 10. Donc du coup, tous les autres, ils m'attaquent. Une sorcière comme ça. D'accord, sympa. Avec le masque de Nihilus. Alors, faut que j'aille voir, c'est où ? Vous trouverez pas mieux ailleurs. Revenez à l'occasion. Parce que j'ai trois messages là. Y'a pas un là dans le coin ? Là. Ok. 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 C'était mission Tatooine. Ok.
Hop, le vaisseau. J'ai senti la mort de Nomenkar depuis l'autre bout de la galaxie. Je dois avouer qu'après toutes ces années, être débarrassé de lui, ça m'a fait un choc. Vous vous en remettrez. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un adversaire à la hauteur. Ne t'inquiète pas. Un bon Sith se fait toujours de nouveaux ennemis. Je vois que tu as une nouvelle passagère. Jessa Wilsam, j'imagine. Voici mon maître, Dark Barras. Bonjour, Excellence. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, jeune fille. Mais tu sembles t'en être bien sortie. Qu'en dis-tu? Je suis très satisfaite de l'issue de cette histoire. Je sens son dévouement à ton égard, apprenti. Comment y es-tu parvenu? Le fouet. Le fouet, ça marche à chaque fois. Allez, lève la patte. Je peux faire preuve d'une grande persuasion. Merveilleux, apprenti. Tout simplement merveilleux. C'est indéniable, tu es passé maître dans l'art du côté obscur à présent. Seuls les plus accomplis d'entre nous deviennent des seigneurs parmi les Sith. Tu as largement mérité cette distinction. Je te confère donc le titre de seigneur Sith. Ah, cool. Je suis honoré. Ce sont tes services exemplaires qui t'honorent. J'accorde une très belle récompense à ceux qui atteignent ce rang sous mes ordres. Profites-en. Maintenant, faites ça comme tu voudras, puis rejoins-moi ici sur Dromunkas. J'ai de grands projets pour nous. Ok, ça y est, wow. Je suis seigneur. Un seigneur, je suis impressionné. Félicitations, Excellence. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé, tous les deux. Servir est une récompense en soi. Ouais, s'il le dit. J'ai déjà préparé les appartements de Jessa. Je vais aller lui faire visiter. Ah ouais. Tu serais peut-être plus à l'aise dans ma chambre, Jessa. N'allez pas croire que c'est aussi simple que ça, Excellence. Ok. Je l'aime bien. Hey, Jessa et Yvette, alors, imagine. Excellence, maintenant vous avez la fille. Une victoire, oh, si je peux oui. Que même Barras n'avait pas anticipé. J'ai la fille. Vous êtes devenu un seigneur Sith, et votre pouvoir augmente. Que visez-vous à présent? Pour l'instant, on obéit aux ordres. Mais bientôt, on se concentrera sur le maître. Si mes talents peuvent vous être utiles, j'espère que vous les utiliserez. Je vous laisse savourer cette réussite. C'est ça, être un site. Bon, allez, hop. Val 30. Cool. Alors. Hop. Allez. Et voilà. Du coup, on va revendre tout ça. Hein. Utiliser le haut, ok. Ah, attends. D'accord. Ah, on a Malvin qui va nous parler. Bah, attends, on va discuter un peu avec les autres. Vite fait. Hein. Blablabla. Que fait-elle pour vous dire? Elle n'est pas faite pour la précision militaire. Quand je poursuivais l'agent Voloren, elle a dû m'entendre parler du Moff Broysk. Et depuis, elle n'arrête. Elle glisse constamment son nom sans raison dans les conversations pour. Vett est incorrigible. Quand elle. Ce n'est ni opportun, ni. Depuis, la connaissant. Laissez-moi faire. J'espérais. C'est bon. Alors, là, on a qui? Ah bah, on a Vett. Tu
voulais me parler ? Y a rien de grave. Je pensais juste à ce qui s'est passé sur... Quand vous êtes parti avec Taunt, je sais pas... Tu n'as jamais fait attention à ce que je faisais jusque-là. Je comprends pas. Vous savez quoi ? Répondez pas. On va juste reprendre... Bon, on va se concentrer sur Jessa. C'est sympa d'avoir une famille de substituts. C'est bizarre, vu que mes souvenirs sont super vieux. Je me rappelle les souvenirs plus que les événements eux-mêmes. Ce que je viens de dire a un sens. Parfois, le seul fait d'en parler peut aider. J'imagine. Je me demande à quoi ressemble Tiva maintenant. Là, ok, ça suffit. Passe. Nostalgique de la famille. Bonjour, maître. Vous avez le regard vif et menaçant, comme toujours. Merci, Deve. Je t'adore. T'es excellent comme robot. Jessa. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te tracasse, apprenti ? Beaucoup de choses. Je viens à peine d'effleurer le côté où il y a tellement de choses à découvrir, et j'avoue, je suis pas sûre. Tu dois apprendre comment les choses fonctionnent. Et comment faire pour... Dis-moi, qu'est-ce que ça implique pour toi d'être mon apprenti ? Comment... Vous êtes mon maître absolu. Quoi qu'il arrive, je vous obéis. Ma vie est entre vos mains. N'oublie jamais ça. Si je te... Vos caprices seront mes désirs. Toute ma vie. Oh. Je me suis sentie bridée. C'est qu'est le côté obscur et ma liberté. Nous sommes convaincus que donner libre cours à nos émotions nous rend plus forts. Quand vous me parlez, je sens la fierté et l'espoir. Je pourrais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est à propos de la Twi'lek, Vette. On peut lui faire confiance ? Elle a l'air un peu faible. Vette n'a ni la volonté ni la force de me résister. Elle Si elle vous dérange pas, je vois que j'ai beaucoup à assimiler. Votre... On reprendra cette conversation. Bien sûr, maître. Voilà. Et la prochaine fois, ça sera dans ma chambre, la conversation. Ensuite. Ok. Ah, le dernier seigneur de l'arsenal de l'Empereur est de retour. Tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Mon maître au Conseil Noir, Dark Vengen, veut la guerre. Pas un petit accrochage en marge du traité de Coruscant, mais une guerre ouverte. Ah, ça y est. Vengen m'a chargé de trouver un moyen de convaincre les membres du Conseil de mettre un terme au traité. De toute façon, les Sith n'ont pas besoin d'excuses pour faire la guerre. Au contraire, c'est l'Empereur lui-même qui a ordonné la paix. Il faut du courage pour s'y opposer. Mais j'ai peut-être trouvé l'occasion d'inciter le Conseil et l'Empereur à passer à l'acte. La plupart pensent que notre incapacité à trouver et à vaincre un homme, le général Karastas Gon, nous a privés d'une victoire franche et massive, et nous a forcés à négocier la paix. Dites-moi que vous avez trouvé cet homme, et que je vais le tuer. Le général Gon agit dans l'ombre. Tel un fantôme, il empêche seul les systèmes périphériques de tomber entre nos mains, après avoir ignoré pendant des années où il se trouvait. Je viens d'apprendre qu'il doit rencontrer des agents doubles de l'Empire sur Nar Shaddaa. Tu iras là-bas, et tu le tueras. C'est un homme mort. Et en plus, il y a des agents doubles. Les systèmes périphériques tomberont. En contrôlant les planètes éloignées, nous aurons un avantage considérable. Alors, direction Nar Shaddaa. Et déroule le tapis rouge de Dark Vengen en vue de la guerre. Je suis déjà à Nar Shaddaa. Ah non, je suis à Naluta. Je suis sur Uta. Je suis sur sa lune. Mais avant... Non. Alors... Apprenti, on va passer à un seigneur. Ça c'est mieux. Et il est l'heure. Il faut que j'aille à Nar Shaddaa. Ça va, c'est juste à côté. Je suis sur Uta là. Nar Shaddaa, ça c'est Uta. Nar Shaddaa est juste à côté.
localiser le général de Karastaskon. Gon, John, je sais pas. Toi, bah en dessous c'est Naluta et au-dessus c'est Narshada. Ou inverse, je sais plus. Bah tiens, vu que t'es là. Pas de gain d'influence, ok, donc toi tu dégages. Vous devez bien m'aimer. Vous devez bien m'aimer. Grand gain d'influence. Pas mal. Je vais le savourer. Oh. Elle a des... Ah ok, j'avais ça. Je me souvenais plus. Alors hop, direction le taxi. Moi je vais jouer que avec Jessa maintenant. Bienvenue. Veuillez choisir ouais. Un itinéraire disponible. Hop, par ici. Tiens, hop, que puis-je faire ça. Revenez à l'occasion. Voilà. C'est l'ascenseur. Envers moi.
Toc-toc. Général Gohan, je suis heureux de vous informer que le chevalier Jedi Xerander s'est posé sans encombre sur Hoth. J'y ai veillé personnellement. Vous êtes un élément précieux pour la République, Faust. Un jour, les autres Chiss suivront votre exemple. J'aime bien, c'est que les autres sont en train de discuter, puis moi je suis là, tranquille. Le rat montre le bout de son nez. Je suis heureux de voir qu'on m'a bien enseigné. Messieurs, on a un problème. Regroupez-vous autour du général. Protégez aussi nos alliés. Je crois savoir qui vous êtes, Sith. Malgré les manœuvres discrètes de Dark Barras, vous avez fait beaucoup de bruit dans la galaxie. Barras a fini par me trouver. Je vais devoir être plus prudent à l'avenir. Votre avenir vient de prendre fin. Le Sith attaque! Pourquoi je peux pas l'attaquer lui? Ah si, ça y est. Voilà. Vous les avez tous tués. Pitié, on va se consacrer à l'Empire de nouveau. Vous allez tous payer cette trahison de votre vie. Et voilà, ça c'est fait. Plus personne? Plus personne. Attends, on va pas se faire chier, hein. Oh, c'est encore changé avec la mise à jour là. Ah oui, ça a vraiment changé. Eh, mais il n'y a plus de... Eh, on paye plus. Oh, ça c'est cool ça. Dis donc, j'ai même pas fait gaffe. Alors, attends, c'est lequel? Ah, c'était l'autre. Direction dans mon casse.
c'est l'autre. Destination. Voilà, et hop. C'est vrai que j'avais ça aussi. Barras, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait tuer le général Gon. Oui, Seigneur Vengen. Nous pouvons maintenant cueillir les systèmes périphériques. Un tel avantage incitera le reste du Conseil à passer à l'action. Ils verront que la guerre est la seule solution. Tu as réalisé mon rêve le plus cher. Tu peux s'incliner ou ne rien dire. Je ferai toujours ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, maître. Qui écoute notre conversation? Je n'aime pas être observé. Excellence, c'est mon meilleur apprenti. Et l'instrument de la mort du général Gon. Je vois. C'est étrange que tu ne l'aies pas mentionné. Apprenti, en servant Barras, tu me sers. Tu le sais. Je comprends. Bien. L'heure est venue. Je vais envoyer mon destroyer sur les systèmes périphériques. Ils seront à moi, sans que personne ne l'apprenne. J'ai donné l'ordre, Barras. Passons au plan zéro. Terminé. Excellent. J'attends cet ordre depuis très longtemps. Apprenti, le plan zéro est l'élimination systématique des chefs militaires de la République les plus haut placés. Une attaque préventive qui laissera l'ennemi sans commandement. Ah ouais, directement. Frappe chirurgicale, quoi. Qui sont ces cadavres ambulants? Ce sont les adversaires les plus accomplis de l'Empire. Il ne faut pas les sous-estimer.
Je surveille les cibles depuis des années en prévision du plan zéro. Il n'y a pas de temps à perdre. Prépare ton vaisseau. Je te contacterai là-bas. Ça y est, c'est la guerre. La guerre est déclarée. Enfin, nous aurons notre revanche. Enfin, nous allons nous faire connaître. Enfin, je vais peut-être arrêter de pouvoir porter cette putain de jupe qui me sert à rien du tout. Ok, lui il a pris lui comme. Destination. Bon séjour. Je fais combien? Ah, 106. Pitié, j'ai des enfants à nourrir. Bah comme tout le monde, hein. Tout le monde a des gosses à nourrir. Hein. Je n'ai pas assez. Officier, montrez à notre ami l'hospitalité de Dromunkas. Moi, avec l'Empire, il n'y a pas de chichi. Apprenti, tes cibles sont les 6 chefs militaires les plus importants de la République. Je dois encore en localiser 2. L'amiral Monk, qui dirige la flotte de la République, et le chevalier Jedi Xerender, qui est à la tête d'un commando d'élite. Quant aux autres cibles, les 4 généraux du commandement stratégique de la République,
J'ai reçu la confirmation qu'il se trouve sur la planète Taris. Tu dois y aller immédiatement. J'y serai rapidement, maître. Taris, je te donnerai les détails de ta mission à ton arrivée. Terminé. Attends, on va discuter vite fait. Qu'est-ce qu'il me veut ? Ça c'est fait, on n'en parle plus. Excellence, j'ai besoin, en tant que militaire, mais... Vous avez un problème ? Non, Excellence. Alors que les lubies du Moff Broyce compromettaient un nombre incalculable de missions, lui désobéir a ruiné ma carrière. Vous avez beaucoup de haine. La revanche est une... Je ne cherche pas la gloire personnelle, juste la gloire pour l'Empire. Alors vous allez être servi entre... Je n'attends que ça, je ne vous dérangerai pas. Ok. Ah, Jessa qui va me parler. Maître, désolé de vous importuner. Ça fait longtemps... Je me rends pas inaccessible. Si tu veux discuter... Je peux vous dire que ça me met en colère d'être ignoré. Les nobles d'Alderaan me traitaient comme une chose invisible. Je voulais les démasquer. Mettre un terme... Le système engendre la... J'étais une idéaliste. Je pensais qu'en tournant le dos aux mensonges et aux tricheries, tout deviendrait possible. Au fond, je haïssais ma vie. Je comprends que Nomenkar soit venu te chercher. C'est pitoyable. Vous m'avez sauvé... Et tout ça pour ça. Mais ça monte un petit peu sa loyauté, non? Elle est déjà 3. Ça monte. Thaïs. Bon. On retourne encore à Thaïs. C'est pas comme si c'est la deuxième fois que j'y allais. Excellence, je me prépare pour mon assaut sur Taris. Très bien. Ta mission sur Taris est de détruire tout le haut commandement stratégique de la République. Le Trust Martial, les 4 généraux qui planifient l'essentiel des stratégies militaires de la République, est actuellement sur Taris. Ils ne sont normalement jamais réunis. C'est une opportunité incroyable. Mais pourquoi ils sont tous là, ils en fait? Ils doivent préparer quelque chose d'important pour s'exposer comme ça. Honnêtement, je me moque de leur plan. Ce sont les généraux du Trust Martial eux-mêmes, la véritable menace. Les généraux Farrer, Minst, Durant et Frelka sont à prendre au sérieux. Ils seront certainement protégés par leurs gardes d'élite, et ils disposent de toutes les forces armées de la République présentes sur Taris. Je vais mettre la République à genoux. Si le Trust Martial disparaît... Ce sera effectivement le cas. Le Moff Urden dirige les forces impériales sur la planète. Il fournira autant de ressources que possible. Rends-toi immédiatement à la surface et trouve-le.
Alors il est où? Il est là. Moff Urden, le site est ici. Qu'y a-t-il, lieutenant? Ah, lieutenant Pierce. Oh, je ne vous avais pas vu. Vous devez être le site envoyé par Dark Barras. Bienvenue sur Taris. C'est ça. Ma mission est de la plus haute importance. Briefez-moi sur la situation. Oui. Eh bien, comme je l'ai dit à Dark Barras, j'attends depuis longtemps une opportunité de l'aider et je suis prêt à tout faire pour me rendre utile. Je doute qu'il soit venu ici pour des courbettes. Bien sûr. Voici le lieutenant Pierce, qui vient de l'une de nos célèbres divisions d'opérations secrètes. Il est de loin mon meilleur officier. Il sera tout à votre disposition pendant que vous serez sur Taris, ce qui devrait amplement vous aider. Lieutenant, vous êtes sous mes ordres à partir de maintenant. Bien. Oui. Eh bien, je vais vous laisser tous les deux à votre mission. Si je peux vous aider en quoi que ce soit au cours de l'opération, n'hésitez pas à me contacter. J'ai cru comprendre que notre cible est le Trust Martial. J'ai fait des recherches. S'il s'agit bien de ça, je suis prêt. Où en est-on? Les quatre généraux du Trust Martial sont sur Taris. C'est extraordinaire, mais ils ne se montrent jamais. J'ai capturé et interrogé un éclaireur de la République. Il traçait une ligne de ravitaillement pour le général Frelka, le plus jeune des généraux du Trust Martial. Je voudrais interroger cet éclaireur moi-même. Il est mort. Je regrette. Dommage. La prochaine fois, laissez les interrogatoires aux professionnels. Entendu. J'ai observé la zone décrite par l'éclaireur. Plusieurs convois de ravitaillement de la République armée suivaient des itinéraires prudemment espacés. Une vingtaine de soldats pourraient attaquer les convois, récupérer leurs transpondeurs et trianguler leur destination avec l'équipement qu'on a ici. Mais le Moff Urden n'a personne à nous fournir. Je sais que vous êtes un homme de terrain, mais je voudrais que vous vous occupiez de la triangulation. Ce n'est pas mon domaine, mais j'y suis formé. Ça vous laisse les convois. Voilà les coordonnées. Les convois passent tous les jours, mais à des moments différents. Je suis sûr que vous tomberez dessus. Neutralisez-les et prenez les transpondeurs. Je trouverai où ils vont. Ça devrait nous mener droit au général Frelka. Vous n'êtes pas mort. Bah non, heureusement. Si je meurs, l'Empire tombe. Alors, du coup, c'est où? C'est cela. Oui, j'étais déjà été sur Taris. Ah non, tu vas sur Taris en... Je crois avec le sorcier au début. Ah, c'est Walker 1, 2, 3 là.
Ok, premier transpondeur. Premier transpondeur. L'outil est là. Vous n'êtes pas mort. Envers moi. Je vous transmets les fréquences du transpondeur du convoi de la République. Donnez-moi une minute pour retracer leurs itinéraires et voir où ils convergent. Je n'en ai rien à faire. Excellence. Triangulation terminée. Il n'y a qu'une destination possible. Je vous transmets les coordonnées. Ce doit être là que se trouve le général Frelka. Je veux connaître toutes les informations importantes concernant cette zone. On a battu la République là-bas il y a quelques mois. On n'y a trouvé que des grottes fétides qui servaient à des pirates. S'ils y sont revenus, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Bonne chasse. Ok. Donc localiser le général Frelka. Alors, il est où? Faut que j'aille tout droit.
Massacre dans les mines. Petite quête bonus. Je suis à combien? 13 sur 20. Petit joueur. Mort. Ça passe nickel. Ok, faut que j'aille par là. Ah, il y a un ici. Je suppose que tu dois avoir un truc par là. Je crois que j'ai déjà été. Je crois que j'ai déjà pris celui-là. Je crois que ça partir d'ici. Tu montes là, tu dois aller là. Je crois un truc comme ça. Vous les avez tous eus? On n'est pas des soldats, juste des mineurs. Où est le général Falca? C'est le superviseur, mais on ne l'a pas vu depuis des semaines. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous allez le tuer? Oui. Oui. Ça vous pose un problème? Oh, pas vraiment. Tous les boulons ont une fin. La République ne me paye pas assez pour que je me frotte à vous, croyez-moi. Si je déclenche l'alarme silencieuse, Falca viendra avec sa garde personnelle. Si c'est ce que vous voulez, je peux le faire venir. Déclenchez l'alarme. C'est parti. Voilà, c'est fait. Le général a été appelé. Non, s'il vous plaît, ne nous tuez pas. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Ah oui. Non. Ah ouais. Lourd.
Ennemi en vue. Capitaine, formation d'attaque 077. Déploiement. Formation 077. Parez au combat. Attendez les ordres du général. Vous trouverez mes soldats d'élite bien meilleurs que les gardes et les mineurs que vous avez massacrés, Sith. Je suis le général Elaxis Frelka, du Haut Commandement Stratégique de la République. Votre intrusion ici constitue une violation du traité de Coruscant. Rendez-vous. Je ne reconnais pas le traité de Coruscant. Cela explique votre manœuvre maladroite. Il est regrettable que vous ayez découvert nos plans, mais peu importe, la machine est lancée. Notre nouvelle technologie dotera la République des meilleures armes. Et je suis prêt à donner ma vie pour défendre cette installation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mine qui vous donnerait un tel avantage ? Alors vous ne le savez pas. Oh, c'est formidable. Messieurs, ce site ne doit pas révéler notre opération. Tuez-le ! C'est intéressant là du coup, ce qu'il me dit. Apparemment, ils ont découvert quelque chose là-dedans qui permettrait à la République d'avoir une supériorité Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Tiens, c'est quoi le projet Scientide? Avant de tout détruire, vaut mieux trouver. D'accord. Donc ils ont trouvé un minerai qui permettrait d'avoir beaucoup d'énergie, de produire beaucoup d'énergie. On va tout détruire, hein. L'installation s'autodétruira dans 60 secondes. Lieutenant Pierce, je sais où trouver le général Minst. Je me rends là-bas. Bonne nouvelle. J'ai aussi du nouveau. D'après les éclaireurs, le bataillon du général Durant du Trust Martial est en mouvement. Il semble qu'il renforce sa position. Certains de mes amis des opérations secrètes sont de retour. On aurait pu suivre discrètement le bataillon pour trouver le général. Pourquoi aurait pu ? Le Moff Urdel a envoyé un peloton à la place des gars et moi. Ces hommes ont engagé les forces de Durant à l'heure où nous parlons. Il a déjà ruiné cette chance. Dites au Moff de se joindre à la conversation. Je vais lui parler. Excellence. Il va passer un mauvais quart d'heure. Je vois que le lieutenant Pierce vous a déjà appelé. J'aurais voulu le faire moi-même. Dois-je en déduire que le lieutenant vous a tenu informé? Grâce à moi, le bataillon personnel du général Durant ne le rejoindra jamais. Attaquer l'armée du général était une manœuvre stupide. Maintenant, retirez-vous, et laissez le lieutenant Pierce et ses hommes chercher le QG du général Durant, compris ? Oui, eh bien, bien sûr. Je m'y applique tout de suite, Excellence. On trouvera Durant, je vous le promets.
Bonne chance avec le général Minst. Ceci est votre dernière erreur. Alors, attends. Hop. Pas du tout, il me sert à rien du tout. Alors, faut que j'aille où, moi? Faut que j'aille là, et... Ah si. Bon, j'arrive, deux secondes. Alors, je suis un peu court, moi. Je suis trop con. Pourquoi j'ai pas été là? Pourquoi j'ai pas apparu là-haut? Oh, c'est pas grave. Bon bah du coup on va s'occuper du deuxième général. C'est dans le tunnel de Raggul. Et Jessa est déjà au niveau 4. D'accord.
vous avez une dette envers moi. Un petit peu le ménage. Alors, il est où ? Il est où ? Il est là. Ah, c'est bien, j'arrive pas à attendre l'ascenseur. Je vais le savourer. Oui, non, Jessa, faut pas non plus déconner là. On n'est pas des cannibales non plus.
C'est ce qu'ils disent tous au début. Parlez, vite. D'accord. La République ne vaut pas la peine de mourir. Le réacteur énergétique s'autodétruira dans 5 minutes. J'accepte ces conditions. Ok. Le réacteur énergétique s'autodétruira dans 4 minutes 30 secondes. Il est déjà trop tard pour vous. Ah bon, jamais croire à un site. Merci, tu m'as donné tout ce que j'avais besoin. Ouvrir le bunker, laisser tous mourir. Et voilà. Du réacteur s'autodétruira dans 60 secondes. Séquence de code de l'abri initialisée. Génial. Si l'imposteur s'est trompé sur le temps nécessaire à l'opération, on sera pulvérisé. Un peu de patience, ça va marcher. C'est que j'aime pas être à la merci de la technologie de la République. Le cœur du réacteur s'autodétruira dans 45 secondes. Messieurs, l'ennemi tente de pénétrer dans l'abri anti-radiation. Tuez le site et nous pourrons nous réfugier dans l'abri. Ah bah. Au moins, on ne se tournera pas les pouces. Plus d'idiots à massacrer. Ah, je les comprends, hein. Mais non. Ressaisissez-vous. J'adore le frisson du combat. J'espère que c'était pas le dernier. Le cœur du réacteur s'autodétruira dans 10 secondes. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant ou jamais. J'ai le sentiment qu'on était loin de notre potentiel maximal, vous et moi. Séquence de code de l'abri terminée. Le cœur du réacteur s'autodétruira dans 5 secondes. Ouverture du verrou de l'abri. 4. Dépressurisation de la porte de l'abri. 3. Abri ouvert. Vite, à l'intérieur. Nos ennemis nous le paieront. Votre conseiller sera bientôt mort. Ya porco utmangisa ti mi ti sarona kapana
Ompi Butmalia Pedwana Niop ni Bobo Che Chupagoma Chiliska Chanaga Ima Che Choranchike Ukleyugo Chesko Pakurta Kliska Taka Yakoska. J'imagine que vous tuez sera mon lot de consolation. Mais voilà. Deuxième général mort. Ici Pierce. J'ai suivi le bataillon de Durant avec mes soldats des opérations secrètes. On a trouvé le repère de Durant. Un bataillon complet garde le centre. Ils établissent un périmètre de défense électronique autour du général. Ok. Envoyez-moi les coordonnées. Coordonnées envoyées. Les soldats et moi avons pu passer le périmètre avant qu'ils n'activent les systèmes. Mais on a été repérés. On est en sous-nombre et sous le feu ennemi. On devrait tenir jusqu'à ce que vous arriviez, mais pas plus longtemps. Du calme. Ça sera vite réglé. T'inquiète. Eh bien, on ne bouge pas. Neutralisez les systèmes de défense. On tient la position pour vous. Ou dans le pire des cas, nos cadavres les ralentiront. Fier de vous avoir servi, Excellence. Terminé. Non. Alors, il est où? Il est là. Le plus simple, c'est par où? De toute façon, le plus simple, c'est par là. Parce que du coup, tu fais comme ça, tac, tac, tac. La notice des produits. Toi d'abord. 16. J'ai tué 29 rakghouls depuis Portez-vous le petit déjeuner. Bien. Je parie que t'as affronté aucune de ces racks aux pouvoirs spéciaux. À votre service, Excellence. Itinéraire confirmé. Ouais, ça va plus vite comme ça. Je peux passer par là ou pas? Ah oui, oui, c'est juste... Attends. Je crois que je peux passer directement par là. Ouais, je crois, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Un petit raccourci. Wesh gros. C'est chiant ça.
Veillez pas le général. Ah putain, une machine il a... Ils ont débusqué, on se déplace. J'ai perdu un tiers de mes hommes, mais on les touche à 10 contre 1. Encore trop nombreux. J'essaie de rassembler mes hommes et de résister autant que possible. Terminé. T'as les mots, Pierce. J'arrive. Excellence, l'ennemi se regroupe. Je n'ai plus de 3 hommes contre à peu près 300. J'espérais qu'on pourrait battre tout un bataillon, mais on dirait que ça va être un peu juste. Ah oui, quand même, 3 contre une centaine. Eh bah, Pierce, hein, j'étais content de vous connaître. Et des cadavres. Faut dire qu'il y a eu une sacrée bataille quand même.
Vous n'êtes pas mort. Là, je suis passé devant lui, j'ai même pas vu. Excellence, je n'ai plus de munitions. Il ne me reste qu'un Medipack. Mais le bataillon de Durant est vaincu. De même que mes soldats. Je n'ai jamais vu des hommes se battre aussi bravement face à la mort. Ils ont fait leur travail. Maintenant, l'ennemi est à moi. Le général Durant et ses gardes se sont retirés dans le centre. Je suis fier de vous avoir mené jusqu'à l'entrée. Tu as fait du bon boulot, Pierce. Tes hommes seraient fiers de toi. Ou tu serais fier de tes hommes. Ou les deux. Ou les deux. T'as fait du bon boulot. L'Empire se souviendra. L'Empire se souvient toujours de ses hommes. Ouais, ceux qui font leur boulot. Ceux qui font leur travail. Pas les petits tirs au flanc. Alors, Général Durant. Général Durant, c'est pour vous que je suis là. Je ne me cache plus, Sith. Je vous ai assez retardé pour accomplir ma mission. Nous avons stabilisé les cellules de Scientide. La République a désormais une nouvelle source d'énergie qui lui donne l'avantage dans cette guerre. Vas-y, dis-moi à peu près ce que c'est que ce projet-là. Parlez-moi de ces cellules de Scientide. Imaginez un simple blaster, avec la puissance de feu d'une batterie de turbo-laser. En revenant sur Taris, après le bombardement de l'Empire, nous avons découvert que les morts par explosion avaient créé un résidu étrange. Une fois irradié et solidifié, il s'est transformé en source d'énergie très volatile, mais puissante. Cependant, on n'arrivait pas à la stabiliser. Jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a l'air bien compliqué. On a pris des risques. Et perdu beaucoup. Ce blaster est un prototype alimenté par la plus petite batterie de Scientide. Vous allez voir à quel point cette arme est fatale. Que tout le monde attaque. Ouais. Comme d'hab. Hein. Voilà. T'as un peu du mal à dire ça. Vous ne battrez pas le général Farrer. Le dernier membre du Trust Martial sera neutralisé en un rien de temps. Vous allez avoir une surprise pour la République. Meurs. Ah, ouais. Mais oui, j'arrive. Je suis dans un transport Medevac. J'arrive à la base. Il fallait que je vous appelle. Dark Barras nous a contactés. Je l'ai informé sur la situation. Il est en holo avec le Moff Urden. Passez-les-moi immédiatement. Tout de suite. Apprenti, on m'a informé de ta progression. Et l'on m'a briefé sur la recherche du général Farrer. Le Moff Urden m'a appris que Farrer a mobilisé toutes les forces de la République sur Taris pour protéger son centre de commandement dans leur forteresse. Il nous a remarqués et il s'inquiète. Un ennemi qui a peur est d'autant plus dangereux. Cet assaut réclamera toute notre puissance de feu. J'ai convoqué ton équipe à la base. Tout le monde sera mis à contribution. Et j'ai informé le Moff Urden que ses hommes seront entièrement sous ton commandement. Oui. Ah, ça c'est bien. Eh bien, mes hommes sont à vous, Excellence. Il est temps de faire la guerre. Depuis le temps que j'attends de mener une armée. Tu vas entrer de plein pied dans une guerre totale. Rends-toi avec Urden, Pierce et ton équipe à la base impériale. On a encore beaucoup à faire. Fais vite. Enfin la guerre. Enfin... Je vais pouvoir mener des milliers d'hommes. J'ai toujours voulu. Ok. Du coup, montre voir comment je suis, moi. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait le... si on pouvait enlever.
faisait comme ça. Ok. À la base, comment du cratère. Voilà. Ouais, on va s'occuper du dernier général. Je n'avais jamais vu la destruction à une telle échelle. C'est presque beau. Comme une sculpture. Ah. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Ouais. Pourquoi pas ? Portez-vous bien. À votre service, Excellence. J'ai ça, t'as des... Itinéraire confirmé. T'as des pensées un peu bizarres. C'est une belle journée pour faire des dégâts. Prenons ce qu'il nous faut et allons au combat. It's a good day to die. Je suis là. Que la guerre commence. Oui. Nous devons faire vite. Lieutenant Pierce, Capitaine Quinn, informez mon apprenti sur les activités de l'ennemi. Oui, Excellence. La situation est plutôt complexe. Le général Farrer, le membre le plus aguerri du Trust Martial, est en garnison dans une aile fortifiée de la base principale de la République. Il est protégé par une armée immense et les renforts sont en route. On est en sous-nombre, à 8 contre 1. Excellence, bien que les statistiques du lieutenant soient inexactes, c'est un fait. Les chiffres sont en faveur de Farrer, mais ça ne fait pas tout. Si vous avez un plan, je vous écoute. Pour maximiser nos chances, nous devons coordonner 3 frappes simultanées. La première détruira la centrale énergétique de la base. La deuxième sabotera le champ magnétique de son spatioport pour empêcher l'arrivée de renforts. Et la troisième obligera les régiments conscrits de Farrer à fuir. Ouais, ok, pas mal. Quinn a toujours été un grand stratège. Qu'impliquent ces frappes ? Tu auras des détails, apprenti, mais je n'ai pas besoin de les entendre. Quinn coordonnera les opérations depuis la base, et tu mèneras la ligne de front offensive. Tu décideras aussi des assignations. Au revoir. Il vous faut un soldat pour mener la ligne de front. Je suis le mieux placé. Je ne suis pas d'accord. Si l'assaut frontal n'est pas mené correctement, votre route jusqu'au centre de commandement sera parsemée de soldats en fuite. Je pense que vous devriez prendre Jessa avec vous. Elle peut lire dans le cœur de l'ennemi et identifier les rangs fragiles. Mmh.
Je veux bénéficier des visions de Jessa sur le terrain. Très bien, Excellence. Dans ce cas, Pierce et Vett s'occuperont de la démolition de la centrale énergétique et du sabotage du spatioport. Si les pièges et les mines qui protègent la centrale énergétique ne sont pas neutralisés à temps, les tourelles ne vous laisseront aucun répit dans la base de la République. Centrale énergétique, piège, mine. On va laisser un peu choisir le lieutenant. Je pensais à Vett. Moi, je pense à Vett. On va laisser le lieutenant choisir. Pierce, étant donné que je n'ai pas accédé à votre souhait, je vous laisse choisir l'opération qui vous sera assignée. Je sais comment fonctionnent les systèmes de la République. Je peux saboter le spatioport. Quant à moi, je peux désamorcer les pièges et les mines de la centrale énergétique les yeux fermés. Enfin, j'en garderai un ouvert au cas où. Si Pierce ne réussit pas à verrouiller le champ magnétique du spatioport, les renforts de Farrer arriveront à temps pour vous affronter dans la base. Ça n'arrivera pas. Les assignations sont faites, Excellence. Une fois l'assaut frontal réussi, vous pourrez envahir le centre de commandement du général Farrer. Que le combat commence. Excellence, un dernier message pour vos troupes? Aujourd'hui, nous formons une équipe. Je crois en chacun d'entre vous. En route pour la victoire. Un discours des plus exaltants. Les plus Bonne simples. Chance, Excellence. Je coordonnerai les attaques par holo. Ne vous en faites pas, capitaine. Les vrais soldats sont sur le coup. Let's go. C'est parti. Allons au fight. Allons au combat. Allons se battre. Moi et mon armée. Alors, à part ça, c'est où? Ok, c'est là. Bon, après, j'ai pas fait l'histoire de Taris, mais l'histoire de Taris, c'est... éviter que la République reconstruit Taris. Je suis dans le bon chemin, moi. Oui, c'est là. Ah, un Jedi. Donc, je peux pas les éviter, moi. Voilà. Bon, je peux pas éviter ce combat là. Vous avez une dette envers moi. Ah ouais, l'étranglement ne marche pas. Ok. Bon, bah moi je vais éviter des combats à la con là. Thank you.
Bon, on en parle du fait que un simple Sith et son apprenti s'attaquent à une base, même à la base principale de la République. Ça passe nickel. Il y a des centaines d'hommes, mais c'est pas un canon de ça. Un petit lag là. Je sens un tel pouvoir bouillonner en moi. Alerte générale, ennemi en vue. Ah, y a un peu d'homme. Oh, ils sont un peu beaucoup là, non? Sith, nous sommes beaucoup plus nombreux. Vous ne vous échapperez pas du QG du général Farrer. Rendez-vous! Jessa, utilise ton pouvoir pour trouver le maillon faible parmi les hommes de Farrer. Avec joie, maître. La plupart de ces chiens débordent de force et de conviction. Je sens de la haine et une volonté de mourir pour la République. Pas si vite. Là, toute une colonne de soldats obligés d'être là. S'ils sont isolés, ils prendront leurs jambes à leur cou. Mène l'assaut contre les conscrits, Jessa. Mets-les en fuite. Merci, maître. Messieurs, attaquez avec moi. Saleté de conscrits. On a toujours l'avantage. À l'attaque. Ouf, ouais, il a... Mais j'ai même pas le temps de faire 2-3 attaques, l'autre il est déjà dead. Aïe, l'autre il s'est pris quand même une volée de blaster dans la gueule. J'ai rien compris le Major. Excellence, j'ai des nouvelles des autres fronts. J'ai le plaisir de vous annoncer que la centrale énergétique de la République a été détruite. Vett a déjoué leur piège sans difficulté. D'après son rapport, personne d'autre n'aurait pu le faire. Vous avez bien fait de lui assigner la destruction de la centrale énergétique. Je la récompenserai pour son excellent travail. Lorsqu'elle y met du sien, elle peut être un élément remarquable. Je vais la récompenser. La base est en HS. On aura un petit rendez-vous dans ma chambre. Pas d'atteindre le centre de commandement de Farrer. Et sur l'autre front, le lieutenant Pierce a pu saboter et verrouiller les commandes du champ magnétique du spatioport. Pierce s'est illustré à chacune de ses assignations. C'est vous qui avez identifié ses points forts. Néanmoins, les gardes d'élite du général protègent toujours le centre de commandement. Ils sont remarquables. Rien ne me résiste. J'y crois sincèrement. Il n'y a pas de temps à perdre, Excellence. Le centre de commandement de Farrer vous attend. Bonne chance. Hop, viens là. J'ai un petit peu mal, c'est pas grave. Bon, j'ai même pas le temps de regarder, je me fais déjà attaquer. Les gars, vous me laissez même pas le temps.
Seigneur Farrer, ah bah le v'là. T'es le dernier, mec. Tu sais, you are the last. Il est temps pour vous de rejoindre le reste du Trust Martial, Farrer. Pas du tout. Quand vous avez pris mes compagnons, je savais que ma seule chance était de vous retarder. Et ma tactique a payé. J'ai gagné assez de temps pour permettre à mes techniciens de stabiliser des cellules de scientides de toute taille. L'avenir est en marche, Sith. Et vous avez le privilège d'en être le témoin. Ah, un robot. En vue. Système armé et cible verrouillée. Ah, bah un robot bourré à la scientide. J'ai déjà combattu des droïdes de guerre. Pas ceux-là. La technologie scientide décuple la puissance de tout ce qu'elle alimente. Vos armes seront obsolètes face à la flotte et à l'arsenal de la République. L'Empire n'aura pas d'autre choix que de se rendre. Et vous devriez en faire autant. Et si j'attaquais plutôt ? Arme engagée. Je vais vous faire souffrir. C'est tout? C'est tout ce que vaut ton truc? Y'a pas de gain d'influence, c'est chier quoi. Vous avez perdu, général. Je ne peux pas le croire. Tout ce travail, toutes ces morts, pour rien. Ouais. J'aimerais pouvoir m'asseoir tout ça pour rien. Et discuter de ce que j'ai manqué, mais un bon leader a toujours une stratégie de repli. Et non. Pas si vite, général. Je savais que vous essaieriez de fuir. Je peux toujours compter sur vous, Queen. Je me rends. J'espère bénéficier du traitement des prisonniers défini par le traité de Coruscant. Très bonne question, parce que là, du coup, est-ce que... Non, l'autre, il m'a dit de les tuer, je les tue. Ou alors on laisse Barras. Vous serez traité comme Dark Barras le voudra. Oui, bien. Je vais me faire une joie d'emmener le général en détention. Félicitations pour la réussite de votre mission. La disparition du Trust Martial est une incroyable victoire. Vous êtes clairement l'avenir de l'Empire. J'espère que vous me compterez parmi vos alliés les plus proches. Le Moff Urden, franchement... C'est une grosse merde. Là, tu as fait n'importe quoi. Il sait pas gérer. Mais bon, on verra. Je vous appellerai peut-être un jour, Urden. J'attendrai de vous une obéissance totale. Eh bien oui, bien sûr. Comptez sur moi. En gage de soutien, je place le lieutenant Pierce sous votre commandement. Il sera d'une aide précieuse dans votre domination de la galaxie. Ça me va. J'ai fait ce que je pouvais ici, sur Taris. Content que vous me laissiez partir, Urden. Ce n'est pas Urden qui vous envoie. C'est moi qui vous emmène. Ça me va aussi. Vous ne serez pas déçus. Lieutenant, intégrez les rangs. Je vous brieferai quand on sera à bord du vaisseau. J'ai hâte. Putain, je récupère... J'ai ça et même pas dans la mission suivante, je récupère... Pierce. Putain, ça a été rapide de récupérer deux personnes en même temps. Alors...
Hop, alors du coup, ça c'est fait. On prend la petite navette. Alors attends, ouais, j'ai beaucoup de monde là. C'est toujours un plaisir, maître. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, on va voir ce qu'ils me veulent tous. Tu as le regard grave. Il y a un début à tout. Ok, alors j'ai pensé à vous. Vous êtes un seigneur Sith surpuissant qui peut avoir tout ce qu'il veut. Je suis une ancienne... On a passé un bon moment, mais tu as l'air d'y accorder beaucoup d'importance. Désolée. Je suis stupide. Je pense qu'on se revoit plus tard. Tu n'es pas obligé de te renfermer. Si, désolé. Je sais que... Écoutez, plus tard, ok? À quoi tu penses? À rien. Pourquoi? Si on jouait à deux vérités, un mensonge, je vous dis trois choses... Je joue. Vas-y. Ok. On y va. Je suis allée en prison 16 fois. J'ai 3 sœurs. J'ai été tueuse à gages. Quelle affirmation est fausse? Ça m'étonnerait que tu aies pris de l'argent pour tuer quelqu'un. En fait, ça dépend de la somme d'argent et de la nécessité de voir la personne disparaître. Ok, assez joué. Je voudrais pas qu'on commence à croire que les sites... Ah, bon, bah en fait, t'avais des sœurs. Ça, c'est intéressant. J'ai ça. Maître, vous vous souvenez du dernier port impérial où on s'est arrêté? Parce que moi, non. Je crois que j'ai un peu trop... Je me souviens vaguement d'un soldat impérial. Je crois que lui et moi, on a fait connaissance, à moins que je ne l'ai tué. Ou peut-être les deux, c'est flou. Pourquoi m'en informer, moi? Je veux juste que vous sachiez que j'explore toutes mes pulsions. Mais n'allez pas imaginer que je m'intéresse vraiment aux soldats sans nom, sans visage. Je me réserve pour des hommes plus accomplis que ça. Pour moi. Tu en as un juste en face de toi. Regardez ça, vous avez réussi à me faire rougir. Vous voyez... T'inquiète, c'est que le début. Je serai pas aussi maladroite la prochaine fois. À bientôt. Merci de m'accorder votre temps, maître. Je fais des cauchemars où je porte une robe de Jedi. J'aimerais bien voir. En votre présence, mes gloussements se transformeraient en éclats de rire. Je me suis rendu compte que l'estime que j'ai pour vous me met traditionnellement l'objectif ultime. Tu as toujours cette naïve. J'ai beaucoup à apprendre. Je suis sûre de mes... Ne t'inquiète pas, je ne compte... Oui, maître. Ok. Et Queen. Excellence, je reçois des rapports sur l'échec d'une incursion. Une de nos unités spéciales aurait eu de mauvais renseignements. Notre vaisseau est le seul dans le secteur qui puisse relayer leur appel de détresse au... Faites-le. Bien, Excellence. Bon bah voilà. Apprenti, le démantèlement du Trust Martial a été ta plus belle réussite, mais un nouveau défi t'attend. Une de nos cibles manquantes, l'amiral Monk, s'est dévoilée. Comme tu dois t'en souvenir, mon maître Dark Vengen a décidé de conquérir les systèmes périphériques et de convaincre le Conseil Noir de relancer la guerre. L'amiral Monk a, je ne sais de quelle manière, entendu parler du plan et attendait dans l'ombre. À l'heure où nous parlons, il est en train d'assiéger le vaisseau amiral. Ce plan était un secret. Vous pensez qu'il y a une fuite? Les renseignements sont une drôle de chose. Ils filtrent de façon étrange. Laisse-moi m'occuper de ça. Le plan zéro exige la tête de l'amiral Monk. Ce sera peut-être notre seule chance de l'éliminer.
Notre vaisseau amiral est sous le commandement du Moff Masken. Rejoins immédiatement le site de ce combat spatial. Monte à bord de son vaisseau et arrête le siège de l'amiral Monk. Ok. Ah, nouveau sabre. Ah bah, le lieutenant qui est là. Tu me demandais, il était où ? Excellence, j'ai déposé mes... Queen m'a déjà briefé. Je m'occupe des démolitions et de l'appui en... Je ne savais pas que le capitaine dirigeait les choses ici. Je préfère recevoir mes ordres directement. Vous avez un problème ? Les types qui font tout selon les règles me tapent sur les nerfs. Le Moff Urden lui aussi ne parlait que de règlements. Le Trust Martial a fait beaucoup... Urden pensait qu'un soldat ne pouvait pas être un bon stratège. Je lui ai montré qu'il avait tort. Urden a été fou d'ignorer vos talents innés. Ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Accordez-moi la liberté qu'il m'a refusée, et vous verrez les résultats. Vous n'agirez pas de votre côté. Bien sûr. J'espère simplement que vous êtes flexible quant au comment. Ok. Je voulais juste ça. Alors. Bon, allez, c'est vite fait. C'est un plaisir, maître. Je vous souhaite une excellente journée, sans aucun désir de me désactiver. Pas pour le moment. Ok, donc on va aller directement sur le vaisseau, s'occuper de l'embuscade. Tuer l'amiral. Drôle. On va faire un peu de ménage là, pour que les soldats puissent ressemble à Kira. Je vais laisser se battre un peu les autres.
Moff Masken, je suppose. Dark Barras m'envoie. J'ai libéré votre vaisseau. Où est l'amiral Monk ? Bien, bien. Vous venez inspecter la scène du crime ? L'amiral Monk et ses meilleurs hommes nous ont quittés sur Kesh. Je suis désolé, mais vous l'avez raté. Êtes-vous venu lui donner sa récompense ? Le féliciter ? De quoi parlez-vous ? C'était une attaque secrète. Mais quand j'ai arrêté l'hyperpropulseur, je suis tombé sur l'amiral le plus décoré de la République qui m'attendait. L'amiral Monk avait les codes de mon champ magnétique et de l'arrimage. Ça sent le piège à plein nez. Que voulez-vous dire au juste, Masken ? Vous savez très bien où je veux en venir. Le maître de votre maître est Dark Vengen. Barras l'a manipulé pour qu'il nous attaque afin de le détruire. J'ai eu des sites à longueur de temps sur le dos qui sapaient toutes mes opérations impériales. C'est pour ça qu'on n'a pas encore réussi à écraser complètement la République. Attends, du coup, c'est de la manipulation. Laissez-moi abréger vos souffrances, Masken. Aux armes, messieurs ! Le site attaque ! Donc on est bien tombé dans un piège. Mais un piège de qui ? De Barras ? Je me demande si c'est pas un coup de Barras, comme il a dit. Il a déjà préparé son coup pour nous faire tomber. Bonjour maître, vous avez le regard vif et menaçant. Ok. Alors attends. Je vais mettre ça là. Ok, bah du coup on va s'arrêter là, hein. Puis on reprendra la suite demain, tranquillement. Où on doit aller quoi ? Sur Kesh. Et du coup on va essayer de trouver c'est qui la taupe, si c'est pas Barras par hasard, mais je crois que c'est lui. Encore un coup. Voilà, Barras qui manipule tout le monde. Et bah c'est comme ça à cause de ça qu'il va essayer de nous tuer. Alors attends, je vais enlever ça. Ah c'est une monture. Je regarde ce que c'est la monture là. Du coup moi je vous dis ciao ciao à tous, des bisous et à la prochaine.